Bonjour à tous. Première lecture de Parodie. Le bouquin a été génial. Je l'ai lu en une traite. Je l'ai lu hier aux alentours de 15h, mais bref, je l'ai lu en une traite. Bon, j'ai quasiment pas dormi de la nuit, tellement il m'a tenu en haleine. Toujours la même chose, Sisiazike. C'est la bombe. C'est vraiment de la balle. C'est de la balle, c'est de la balle, c'est de la balle. C'est donc un. Partie de la vie donc de Zike lors de son lorsqu'il avait entre 20 et 23 ans, un passage qu'il a eu donc au Canada, à Toronto pour être exact, et c'est proprement génial. La description qu'il fait est extrêmement très extrêmement intéressante. L'ouvrage a été écrit il a été écrit de mémoire, je crois, en 86 ou 87. Ça a été donc après Sarah, donc, et donc Oro était le premier. Oro, c'était donc 4 mois après son aventure au Costa Rica. Ça, c'était quelques années, donc 10-12 bonnes années, avant son passage au Costa Rica. Mais quoi qu'il en soit, c'est à tomber par terre. Les descriptions sont extrêmement précises, et ça tient réellement la route. Donc, pour en revenir, vous voyez donc, de part, grâce à cet ouvrage, la mentalité de Zike. Il explique d'autant plus, et c'est d'autant plus perceptible. Et là, c'est... je ne sais pas comment vous dire. Là, je suis... je ne serais pas retourné, vu que je n'ai quasiment pas dormi. Mais là, vraiment, il m'a scotché. Donc, comme toujours, solitaire, dans la défense, joueur, ne pensant qu'à lui, exploiteur, drogué, et c'est tombé par terre. Chose qui est, comment dire, de par son jeune âge, 21 ans à l'époque, ou 20, ouais, 21 ans, entre 20, ouais, 20, 20, entre 20 et 23 ans, il vous explique sa mécanique. Elle est la suivante. Il arrive dans un endroit, son objectif, c'est pas de travailler au même titre que vous et moi. Son objectif, en tout cas d'une approche salariale, c'est vraiment chapeauter à chaque fois. Diriger mes pour cela, il faut qu'il ait l'envergure. Il a 21 ou 23 ans. Donc si vous voulez, il se donne les moyens d'avoir l'envergure. Les moyens sont les suivantes. Dans son cas, donc, 5 choses qui sont nécessaires pour, entre guillemets, avoir l'envergure, pour pouvoir, entre guillemets, être plausible quand on a un âge aussi jeune que lui. Le réel, les convenances, les habitudes, les croyances et les convictions. Pour la faire plus courte, le réel. Toujours prendre en compte le réel. Donc, quand il se retrouve face à quelqu'un et qu'il y a une opportunité qui se présente, il la saisit. Quand bien sûr, il peut y avoir une rentabilité derrière. Son positivisme, très, très important, c'est aussi très très important. Son positivisme fait que, pour reprendre l'adage, le verre est à moitié vide, voire à moitié plein. Lui, son verre, il est à moitié, il est tout le temps plein. Il est généralement à moitié plein. Et c'est proprement stupéfiant, parce que si vous voulez, vous retrouvez face à un type qui est capable de soulever des montagnes. Chose qu'on peut convoir, que j'ai pu voir d'autant plus dans l'ouvrage. De par son jeune âge, il considérait que les gens avaient le choix de dire oui, de dire non. La problématique, c'est qu'il n'a pas compris que nombre de gens, si vous voulez, vous avez une catégorie de personnes qui tendent la main, d'autres qui se contentent de ce qu'on leur donne, et d'autres qui vont chercher ce dont ils ont besoin. Zike fait partie des gens qui va chercher ce dont il a besoin. Donc, de par le fait, de par les nombreux pays qu'il avait fait précédemment, il a pu voir la psychologie des gens. Donc, pour faire simple, il s'est donné les attraits de ce qu'il désirait pour pouvoir y arriver. Donc, il se présente en sauveur, ou en disant je suis capable, je connais rien. Mais il se donne les moyens pour être capable. Ce qui fait que, pour se donner les moyens d'être capable quand on ne connaît absolument rien, il faut être, si je puis dire, un homme fort. Et l'homme fort, dans le cas de Zike, il a besoin de calme. Au départ, non, pas trop.
Mais à la suite de cela, il a été obligé de prendre de la cam pour pouvoir faire la différence. Car il était, si vous voulez, il a fallu qu'il soit toujours présent, qu'il ait cette présence, qu'il fasse que, qu'il ait cette énergie physique et intellectuelle qui fasse que. Chose aussi dont il parle dans le bouquin, et qui peut être très intéressant pour vous, les massages. Ça a l'air d'être anodin, mais ça démontre simplement que l'afflux nerveux, de par les massages qu'il subissait, lui permettait, entre guillemets, d'avoir un retour informationnel au niveau du cerveau qui a des conséquences. Ce qui veut dire, pour faire simple, il était relâché pour pouvoir saisir l'opportunité. Si vous êtes tendu que l'opportunité se présente, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas y aller. Cette relâche mentale que lui donnait, entre autres, les massages, lui ont permis de faire la différence. Et donc, pour reprendre ses propos, il se donne l'apparence, entre guillemets, de ce qu'il désire. Dans le cas présent, je n'ai pas trop envie de vous spoiler le bouquin, mais il a cherché à être un espèce de mafieux à un moment donné. Il s'est donné les attraits d'un mafieux. Il a repris, il a aidé un restaurateur italien à remonter la pente, en dégraissant et en mettant des choses qualitatives, pour faire en sorte que les gens viennent. Et de par son charme, il a réussi à convaincre les gens aux alentours de revenir dans le restaurant. Et ça a fonctionné. Et donc, le travail était qualitatif, la présentation était très très bien, la cuisine, il a réussi à faire quelque chose de qualitatif. Et, j'ai pas envie de trop de vous raconter la chose, mais si vous voulez, ça va ça va vous aider énormément, alors que moi, ça m'aide énormément à mieux comprendre nombre de choses qui m'environnent. Et donc, c'est que sa capacité à être dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la méchanceté, lui m'a permis de faire la différence. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, quasiment tout le temps. Comprenez que compte tenu du fait qu'il apprécie d'être dans des zones où la loi n'a pas cours, il lui faut les qualités pour pouvoir, par rapport à cette situation où la loi n'a pas cours, faire la différence. Donc, prendre en compte le réel de cette situation où la loi n'a pas cours, avoir les convenances qui fassent que, avec ses qualités, il puisse avoir les bonnes habitudes. De là, il fallait, compte tenu du fait qu'il était en représentation devant certains, pour pouvoir, entre guillemets, asseoir son autorité, il fallait que les mecs en face croient, et qu'ils soient donc en mesure d'avoir les convictions, pour pouvoir faire en sorte que le mec en face y croie. J'en reviens à ce que je vous disais, le réel, les convenances, pour pouvoir avoir les bonnes habitudes par rapport à ce qu'il est. Dans son cas, c'était la prise de cam qui lui permettait d'avoir les habitudes régulières, qui lui permettait d'être, si je puis dire, focalisé et concentré pour pouvoir tenir son rôle. Et à la suite de ça, donc, vous aviez donc la conviction de par les habitudes qui font que il voyait que ça fonctionnait. Le doute était levé. Et à la suite de ça, la croyance. Qui fait que le type en face, de par toutes les choses qui ont précédé, arrivait à croire au personnage. Et à la suite de ça, chose très importante, par rapport à son comportement, l'argent n'a d'utilité que lorsqu'il est utilisé. Ce qui veut dire que pour asseoir une autorité, pour démontrer que ça vaut la peine, il flambait. Donc résultat, le type qui lance, entre guillemets, des billets de partout, exemple, vous regardez. Et ça fonctionnait. Il y a un adage qui dit que l'argent attire l'argent, et preuve est de constater que le propos a l'air de se tenir. Il se parait, entre guillemets, des attraits ou des atours du beau gosse, du mec qui est bien, du mec qui a les moyens. Et les gens suivaient derrière. C'est vraiment extrêmement intéressant et c'est très 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 pertinent. Petit aparté pour vous, chers lecteurs. Ah oui, j'ai oublié. Les fameux pouces et... c'est pour, entre guillemets, être référencé, faire en sorte que je puisse vous apporter autre chose. Je pense que là, vraiment, il m'a donné les moyens de pouvoir me réaliser d'autant plus. Là, il me fait comprendre, en tout cas, pour peu que vous soyez dans l'entrepreneuriat, lisez Dickey. Il va vous donner les moyens de vraiment sortir de votre zone de confort. Il va vous donner des éléments qualitatifs pour pouvoir être meilleur. Autre chose que je voulais vous dire... Si vous souhaitez avoir des informations sur Dickey, ou si vous voulez qu'on fasse un live pour que je puisse vous donner des éléments qualitatifs sur Dickey, dites-le moi. Je me ferai un plaisir de vous les donner. Donc voilà, je pense que vous avez donné le plus gros de ma compréhension. J'espère qu'il vous a plu. Il va falloir que je le relise encore. Mais voilà, en tout cas, énorme. Énorme, 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 énorme. Bravo.